make a big battle, but only seeing the weapons in the battle. You don't see the person, you see the weapons, how they fight. If you have the power to kill somebody, the power, no? Who you will kill? And all the person, the young person say, I don't will kill any person, because if I kill a person, I will lose the power. Nobody wanted to kill somebody. And suddenly I want to kill a lot of person. How? I want to kill the makers of weapons, with her weapons. Los fabricantes de armas con sus armas. That will be a nice killing. No? A nice killing. Je me souviens de mon premier rendez-vous avec des banquiers à New York pour rencontrer les responsables qui possédaient les droits du livre de Frank Herbert. C'était absolument, on était dans une espèce de chose. Ils ont dit, mais vous pensez le faire? On a dit, on va tout faire pour le faire. He had no limit. He was a big fortune. This is the reality. And he had a big enthusiasm. He was young. I think he had 26 years, I think. And he had ambition, and he wanted to be the first, no? Ils ont cru en nous aussi, parce que Alexandro était un peu plus vieux que moi, mais on était un très jeune producteur qui n'avait pas des références au niveau de la production monstrueuse. Mais ils ont cru en nous, ils ont cru à notre folie, ils ont cru à notre fougue, à notre amour pour le livre. Et on a obtenu les droits, ce qui était pour vendre à un jeune producteur français alors qu'il était un best-seller américain. Ça a surpris beaucoup de gens, alors qu'il avait même refusé à plusieurs reprises de le donner à Hollywood pour en faire un film entre guillemets classique. Ça me paraissait raisonnable. L'option a été... Très honnêtement, j'oublie les chiffres. C'était raisonnable mais cher, parce que c'était forcément cher. Mais ça ne nous a pas paru à l'époque, si mes souvenirs sont bons, c'était 100 000 dollars. On pourrait vérifier, mais c'est mes souvenirs. Non, non, je crois qu'en l'époque, fueron solo 7 000 dollars. No era nada. Cédou era nada. 100 000 dollars, c'était beaucoup d'argent, mais c'était un tel projet que ça nous paraissait raisonnable par rapport au projet. Sachant que c'était que les droits du livre et qu'il y avait un travail à préparer après pour essayer d'en faire un script. Gracias a la ayuda económica de Michel Sédoux, nos trajo a Francia, arrendó un castillo en Blancourt, una ciudad de Francia, un castillo enorme, y yo estaba en el castillo dedicado solamente a Dune. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces no creo que me demorara mucho. Yo creo que me demoré en hacer el script 2 meses. Yo creo. El script, no dibujado. El script primero. El script, not drawing, but right. Write it. That's very fast. 2 months, yes. That's but I am very fast. Wow, that's really fast. I say like Picasso, yo no busco, encuentro. I don't search, I find. And then I was in an other level of consciousness. Because for me it was the dream of my life. And then I was receiving Dune. Okay, I was receiving. And then I was sitting there, I was like a medium, receiving and doing. Huh? All the day. Someday I forget to eat. To go to the bathroom. I forget everything. Doing the thing. Il y avait une agence intermédiaire. Mais c'est Frank Herbert qui avait la décision finale.
Et que, en fait, il n'aurait pas vendu s'il n'y avait pas Jodorowsky. Parce que ça, il y avait. Jodorowsky n'était pas très connu, mais il était connu par l'entourage de Frank Herbert. Et c'est cet entourage qui a facilité la chose. Mais Frank Herbert était un quelqu'un qui voulait que son livre soit donné à un créateur, à un créatif, qui ait beaucoup, beaucoup d'imagination. Il ne voulait pas en faire une série pour la télévision américaine. I liked him to speak with him because I admire him, but I don't want to have him over my shoulder in the picture. I want to be free. Because he has his idea. He's Dune. He's the owner of Dune. But myself, I feel like a thief. I was taken, no? Like Prometheus, who take the fire of his father. I am taking the fire for me, don't know? For make my picture. The novels is one art, but picture is another art. It's not the same. You need to make an alchemical transformation of literature, of words, into image. It's another thing. And then I was making a picture. Yes, for me, they are temas, es decir, they are histories who are more than the writer. For example, Don Juan, Don Giovanni, is an history, but a lot of writers make theater plays of Don Giovanni or Oedipus. They are the Greek. They are some versions. In some moment, the masterwork. Is more than the writer. For me, Dune was the genius of Herbert, discovered something who is more than the book. No? And then I wanted to give my version of Dune. No? That was what I did. I say to Moebius to draw in his ideas. When he draw in his idea, I say, well, now we'll do what I want. And then we have colors and we do the definitive drawings. I use it as a surrealistic method. I say, I want a costume, I don't know. A costume, I don't know. Let me see. I take a book, I open the book, like that. See? For me, I was following the method of Marcel Duchamp. Everything is art when you choose it. Clown of the Emperor was a person with an exoskeleton. Our skeleton is inside us. In his costume, the skeleton is outside. In order to remember to the Emperor, he's a mortal person. All the time he's there. And the Sardaukar is very similar to costume of Star Wars. I was dictating the costume to Moebius. Because my idea of the picture is picture need to be the creation of a poet. No? I admire Pasolini, I admire also Jean Cocteau. Because Jean Cocteau was a big, great poet, but he make pictures and as a poet. Pasolini make pictures as a poet. And when you are a poet, you do everything. Not only you write the script, but there you make the editing, you make the costume, you choose the music, maybe you can do the music, the decors,
everything. Because for me, the picture is the dream of a creator, a director. In the actual movies, does not exist. Director is only, he directs the stars, he will direct, but he's not important. The picture is the result of an industry. Huh? It's not really art. When you see a television series, every chapter have another director, but they are all similar. The same light, the same acting is similar. They are zombies, the director today. Prepare them in a school of zombies. You need to obey the orders. And they obey the orders. But that is not what I want. I cannot do that. My life with the talent I have will be easy if I do that. Will be easy, no? But I prefer to be poor and not to sell my soul. Fraîche, parce que je pense que on s'est rencontrés, on se rencontre de temps en temps, mais l'un et l'autre, on s'est séparés un peu mal. J'ai une certaine pudeur dans mes relations. Et j'ai pas envie de l'embêter. Notre pudeur commune, je sais si probablement il a la même pudeur que moi, fait qu'on n'a pas eu le courage, parce que c'est une question de courage, de temps en temps se dire bonjour. Bon, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Alors quand on se rencontre, on s'embrasse. Mais très vite. Les cicatrices sont pas tout à fait bien refermées, il y a toujours un petit peu de choses qui coulent, et ça c'est un peu difficile, donc peut-être par lâcheté, parce qu'il faut avouer les mots, la pudeur est une forme de lâcheté, ou la lâcheté est une forme de pudeur, on peut mettre dans les deux sens, on s'est dit, on s'est pas obligé à se revoir, mais je pense que peut-être que vous allez exorciser le problème, et qu'on se reverra après. Tu es toujours à Paris maintenant? Si, si, il est à l'hôpital. C'est bien, la ville. Très bien, c'est la unique ville où elle est tranquille. C'est bien que tu veuilles faire ça. Bah, écoute, au minimum, on aura quelque chose à raconter à nos enfants. Oui. Voilà. On aura dit, on aura fait beaucoup de travail, pas pour rien. Non, ça a devenu mythique. Voilà, je crois. Le film, c'est un film qui n'a jamais existé, c'est pas vrai. C'est formidable. C'est un vrai mythe. Donc, c'est où la mairie? Ma femme, non, t'as pas connu ma nouvelle, tu connais pas. Ça fait 30 ans que je suis avec, quand même. Ça fait 30 ans, la nouvelle, elle a 30 ans. Non, elle a pas 30 ans, mais 30 ans qu'on est ensemble. C'est très bien. Bon. C'est un souvenir formidable. Écoute, oui, parce que finalement, l'avantage de laisser passer un peu de temps, c'est qu'on regarde ce qui est beau. Si, ce qui est moche, il a été évacué. Là, il n'y a pas de moche. Non, mais il y a des trucs. Mais si, la fin n'est pas terrible, quand même. Oui, pas terrible. Bon, on a crucifié le Christ. Absolument, on a crucifié le Christ. On fait quand même. C'est une belle image. Mais bon. Pour moi, le film a été fait. Moi aussi. Le livre est fait. Il est fait. Puis quand on a ce livre qui est quand même extraordinaire, c'est le plus beau livre du monde. Si, tu sais que comment ça s'est passé pour le dernier exemplaire? On avait beaucoup donné à Los Angeles, partout. Oui. Et à un moment donné, il n'y en a plus. J'en ai plus. Oui, tout à fait. Heureusement, quand maman meurt, je m'occupe de nettoyer l'appartement. Si. Et qu'est-ce que je trouve? Ah bon. Il était protégé, extraordinaire, je dis. C'est la vie. Et on l'a maintenant refotocopié. Tu l'as aussi, mais il fallait qu'on en garde un chacun, un minimum. Oui. Parce qu'on en a fait quoi, 20 après. Si, 20. 20, hein, c'était ça. Si. C'était formidable. Formidable. Ah, c'était formidable. C'est un souvenir formidable. C'est inouï. J'ai voulu. Bon. J'ai dit que tu étais le meilleur producteur que j'ai jamais eu dans ma vie. Mais toi, tu étais le meilleur metteur en scène que j'ai eu dans ma vie parce qu'on n'a jamais eu besoin de s'engueuler. Non, finalement. Non, c'était parfait. On a fait un film
intellectuel. On a fait un film intérieur. Oui. C'est un film privé qu'on a fait. Oui, oui. Avec tous les moyens, je fais ce que je voulais. Puis... C'était incroyable. Quand on voit le travail. Comme un rêve. C'était comme un rêve. Quand on voit le travail que ça laisse, si. On était quand même en avance sur tout. Si. Il y avait une avance sur la. Si, sur tout. Sur tout. Il n'y avait pas un film qui avait les mêmes. Non, il n'y avait pas la même inventivité. Et après, toute l'équipe, les Hollywood les a pris. Tous. Formidable. Et les moments avec Dali, c'était pas mal. Ah oui. Mais tous les détails. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on a mangé les écrevisses de fleuves de crevisses. Ah oui, c'est... Avec Pasolini. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et le lendemain, tout le monde était malade. C'était malade. Absolument. Ah non, mais il n'y a eu que des aventures. Extraordinaire. Bon. Plusieurs fois, j'ai rêvé avec toi. Plusieurs fois. Moi aussi. Bien, hein, non, mais pas oui, parce que t'es à Paris dans mes rêves. Mais moi, j'ai vu le film. J'ai vu un autre film, hein. Si. Dans les rêves. Ah si. Ah oui. Ah, je l'ai vu. J'ai vu des scènes entières, par morceaux, jamais en entier. Oui. Par morceaux. Oui. Incroyable, parce que t'as toujours des moments où ça revient. Surtout parce que c'est... Tu sais qu'à mon bureau, faut que tu viennes, il y a tous les dessins qui sont là. Ah, j'aimerais bien voir. Il y a tous les dessins, c'est les costumes qu'on avait fait avec Oban et compagnie. Et j'ai même... Une des choses qui est la plus importante pour moi, c'est ce que tu m'avais offert sur la montagne sacrée. Ah, tu sais, c'est le tableau. Le tableau que j'ai. Un tarot. Oui. Ah, formidable. Et que j'ai dans mon bureau, que tu m'avais signé. Si. Et qui est dans ma salle de conférence. C'est pour moi, c'est... Quand je le regarde, je l'adore. J'ai une passion pour ce tableau. Aïe. Et mon bureau, il est plus Dune que tous les autres films avec lesquels j'ai fait. Pas Dune, not Dune. Non, pas Dune. C'était à toi. Ça, c'est parce que c'est tellement beau. Quelle ambition de projet, non? C'est tellement incroyable. Aujourd'hui, ça serait encore... ce qu'on avait fait, jamais il y avait eu un projet aussi ambitieux. Jamais. Après, il a pris son sacaillet, parce qu'après, ça a marqué le cinéma. Hein. Oui, parce que c'est un film qui a fait avancer le cinéma. Oui. Parce que tous les films de science-fiction, ils n'ont existé qu'après. Oui, mais c'est vrai. Avant, c'était des merdes ignobles. C'était sec, scientifique. Oui, c'était... C'était pas artistique, c'était scientifique. On ne voyageait pas. Si. C'était un livre de tu trouvais un livre comme sur le... Un livre pour apprendre, il n'y avait pas aucune magie. Le nôtre allait être comme une opéra. Oui. Pour moi, ça n'était jamais une catastrophe. J'ai accepté comme un guerrier. Pour moi, le film a été fait. Il fallait le filmer. Mais ça m'a changé la vie, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses, comme j'ai raconté la bande dessinée, l'écriture, j'ai fait une énormité de choses grâce à ce projet. Tu vois, alors pour moi, c'était bien. Ça, c'est bien. Les choses sont ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Mais une chose qui n'est pas, si elle existe encore, elle a été. Elle a changé le cinéma, a changé la vie de toutes les personnes qui ont travaillé là-dedans. Tous ont commencé à travailler. Même O'Bannon a créé Alien. Tu rencontres après ça. Moebius est allé faire Tron. Guillère est rentré au cinéma. Tous ont fait quelque chose. Et moi aussi. Non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est... Et mon grand ami aussi. On a tous fait des choses. Non, mais c'est un film qui n'a pas vu le jour, mais pour nous, il existe. Oui. En fait, le film existe. D'une façon différente. On ne peut pas le voir... sur un écran, mais il existe pour ceux qui ont travaillé et pour ceux qui... D'ailleurs, s'il n'existait pas, vous ne seriez pas là. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes la preuve vivante que le film existe. How long has it been since you guys have seen each other? 30 ans. Ça s'est foutu très longtemps. J'ai pas la sensation du temps. 30 années, on savait pas. On s'est aperçu dans un truc à la con. Oui, dans un restaurant japonais. Dans un restaurant japonais, on s'est dit bonjour. Bonjour. Mais on était... C'était... bon... En fait, non, parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans cette histoire. C'est... Il y a la pudeur d'avoir réussi et pas réussi ensemble. Donc,
une espèce de timidité probablement naturelle qui... J'ai toujours pensé que je ne voulais pas contacter Michel parce qu'il allait penser qu'il allait lui demander quelque chose. Je ne vais pas l'embêter, je ne demande rien, c'est fait, c'est fait. Alors, c'est pour ça qu'il ne l'appelait pas, parce qu'il doit penser, il m'appelle pour me demander quelque chose. Non, c'était pas une question, c'est pas une question d'argent du tout, c'est une question... Je crois que c'était une aventure où il y a quand même eu une digestion à faire, et une digestion intellectuelle. Et je sais pas, l'occasion, je pense qu'il faut des occasions, et les occasions ne sont pas présentées. Moi, je dirais que si on s'est rencontrés, c'était un premier accident. Parce que les rencontres ne sont qu'accidentelles. Mais c'était génial. Hein. Mais c'était génial. Il m'appelait par téléphone à New York. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, dim, on le fait. Et brum. Et on faisait les choses, tu vois. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mister Cédou a devenu le producteur mythique que tout cinéaste attend, tout artiste. À tel point que pendant ces 30 années, je l'ai raconté, souvent je rêve avec lui, comme le producteur magique, tu vois, qu'il arrivait, on faisait les choses. Et c'était formidable. On n'a eu aucun interdit. L'équipe n'a eu aucun interdit. Rien n'était interdit. On venait d'une poste... Il y avait une révolution en France. Il y avait une révolution importante qui avait libéré la créativité, entre autres. Et c'était une ruche de création. Moi, je dis et tous les gens... Ce qu'on vient de se dire, c'est que chaque fois qu'on avait une idée sur quelqu'un, est-ce que la musique, ça ne pourrait pas être Pink Floyd? Est-ce que l'empereur du monde, ça ne pourrait pas être Dali? On allait voir la personne, ils ne nous ont jamais dit non. Personne n'a dit non. À part les financiers. Les Américains. Si. Tout. On peut pas imaginer un projet pareil si on ne laisse pas la liberté. Surtout quand on connaît l'œuvre d'Alexandro avant. Quand on a vu El Topo et La Montagne Sacrée, si on veut travailler avec un talent comme Alexandro, on ne peut pas travailler en lui disant, voilà, tu rentres dans une case. Il y a peut-être des metteurs en scène qui pourraient accepter ça, mais nous, c'était le contraire. L'imagination de ces deux films était incroyable. Que je connaissais, on les avait distribués en France, on avait beaucoup travaillé. Donc, c'était dans cet univers-là qu'on voulait aller. Moi, c'était cet univers-là qui m'avait séduit. L'univers de la liberté, de la créativité, quelque part de l'underground. Ah oui, oui, c'est... Ce film a ouvert une nouvelle ère du cinéma. Sans le savoir, parce qu'on n'était pas là, on n'est pas prophète, hein, du tout, mais sans le savoir, automatiquement, ça a été ce laboratoire incroyable a permis, ce que tu disais, à des gens de trouver beaucoup de travail après, de montrer leur vrai talent. Oui. Et donc, il n'y a pas de regret à avoir. Jamais en avoir d'abord. Il faut être comme les poupées russes. Tu vois, on la pousse et elle s'élève. je dirais que je l'aime. on peut dire qu'on s'aime exactement comme le premier jour. C'est vrai, vraiment, je l'aime beaucoup. Je crois que moi, je l'aime autant qu'au jour où je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire. Il m'a dit je veux faire Dune. Et j'ai dit oui. Et on le fait. On l'a fait. Il est peut-être encore à faire. Peut-être qu'on en va encore le faire entre nous. Oui. Mais il n'y a pas du tout, non, il n'y a pas de... C'est la seule chose que nous, on a envie, je crois, enfin, en tout cas, c'est que tout ce travail puisse un jour aider quelqu'un. J'ai dit que c'est content de les voir. Moi, je suis absolument enchanté et on va prendre une date pour déjeuner ensemble au chaud. Oui, maintenant, on va aller à l'hôpital, parce qu'il fait froid. Voilà. How long was Dune going to be? How long of a movie? That is a very good question. How long will be Dune? When I give the script, all the person did, you are crazy. This will be 12 hours the picture. How long you want to do it? I don't want limit of time. If it's 20 hours, will be 20 hours. I was in advance 30 years. Today, the series of television, they are hours. They are 24 hours. Huh? 12 hours. They can play one season to other season, 5 seasons, 100 hours. They don't have now the amusing of people, limit of time. No? A picture, I say to them, well, see, it's long, we'll give in pieces.
What is now the when we say the picture of science fiction? What is the name? The Avatar. No, antes la serie de television series. No, la serie de science fiction. Oh, Star Wars. Star Wars. What is Star Wars? Is three picture more other picture? I didn't want to write a picture thinking in the limit of time. This will be what need to will be. There are persons who live 24 years, the other live 80 years, the other live 120 years. The trees, every tree have a life, no? A tree is, they are not limit of the longest of the life. Picture of sea, picture need to be what they need to be. Is the, we are a slave of the owner of theaters. That is the illness, one of the thousand illness of the movies. The owner of theater want 1 hour and a half. They are happy because 1 hour and a half, 1 hour 20 minutes, they can make very show in the day, and they have more money. And then they limit for the selling. They are limiting the time, no? What? But they are in the public, the desire of long thing. This way you have Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. They are doing series now. But in the time I make Dune, they think I was crazy. How you can? It's impossible. You are crazy. We need to cut, etc. No? That is the thing. Every artist need to broke the mind of his historical moment. Because an historical moment is an artificial vision of the reality. What is art? Where we are? I don't want never have a penny of picture. I will make picture in order to lose a lot of money. I will lose a lot of money. Never will say to me, he made $500 million. He's a genius, Oscar. We don't need the theaters anymore. We need to make out of the theater the picture. We don't need producer anymore. We don't need his money. We don't need stars. We don't need his bottom faces, like mummies, where the faces that doesn't move. We don't need that big egos. It's finished. We don't need any more silly writers. Businessman. They are not, doesn't need to be made by businessman. No. No. Need to be finished. That will be finished. We are not place for the egos, for the big egos of stars. They need to finish, they need to die. The stars are an illness of the art. That is the reality for me. The movies are property of the industry, American industry. That is the real owner. Let him be the three dimension. You need to, this is his su mundo, his world. Well, but we can construct another world. Movies are an art, and we can do it. And we need to do it. No? The new generation will change, and they will ask it for other things. No? And we will do it. Do you think that if you It's not me, others. They will do it. Do you think that if you make a movie again, that it would be a big budget movie or a smaller budget? No, I don't want a big budget movie. That kill the creativity. It's not possible.
Because if you have a big movie, a big budget, you have investors, and you are not free. You sell your soul. It's not possible. But we can raise money, no? What is necessary only, and we can do another kind of picture. The fashion of documentaries like this open a new way, but we need to go further than the documentary. We need to make, with this system, real pictures, not documentaries. I will be able to do that, not for theaters, no, sino for internet. Internet is a door for the new creation. Yes. And the real public is there. The real public is there. And maybe other artists will come there. But I think the new artists, the young artists, need to save the movies, this industry. They need to save the creation of this industry. As every one of us is thinking to save the planet of this society, every one of us is not happy what is happening today. We are like this of wars, like this of this ill economy. We are tired of the rich person who speak the millions and the poor person who are not eaten. It's incredible. Yeah, we are tired of the religion who are misogynist, without women. They are a pope, they are not a highest priest, woman. It's enough. That need to change. And, well, you cannot continue to make a picture who... No, it's necessary because they are so... We are so nervous, so tired, without hope. We need the three dimension. we need be seen by image who come to ask. In the future, there we so much three dimension. We'll not see the picture with the eyes, you know, with our actual, in order to be seen by the picture. That is the reality. Reality. Where are the sacred art? Where it is this art? What I am asking to the picture is like I am asking what I have with the sacred book. A sacred book change your life. No? All our civilization is coming from a book. Bible, Evangelios, Quran, Canon Buddhist. They are books. And from there, you go. And I wanted from the picture the same importance than the gospel. You go to see the picture and then you have a shock and you open your mind and you change your life. That I wanted. Make it sacred picture. Do not for me to make a picture is not a business. I won't really, still now, I have my ideas. But when I finish, for example, Holy Mountain, in order to make another picture, Santa Sangre, I need to search and to say 6 years. It's not from one day to the other. I can be 10 years without to do it, 20 years. I am the same inside. In the exterior, it's different. But I don't regard myself to the mirror. And then I have my interior age, not that exterior. And then one of these days I make another picture. If I don't die, I will make a picture. If I die, I will not make it. But if I don't die, I will make a picture anywhere. But a picture I want to do as I want to do it.
You understand that? It's not why to do it. I love a mystical man, Gurdjieff, who came in Europe in the beginning of 1920. And he said, we are born without a whole soul. We have the beginning of a soul, a little beginning, and our task in the life is to make grow our soul, to do your soul. That is what I believe that I need to make myself, making art. In order to come to an artist, I cannot obey orders. I need to develop myself, and the work will be my dream. Make light. But he pictured pure light. Make light there. And for me, the decors, the actors, are in the same level. The picture are not for the star, for the actors. The picture is a whole. But everything, every object, every machine, every color have the same importance. No? And the conversation are not theatrical. Because in your picture, you know, you see conversation. That is not cinema. Cinema is image. And when you cannot show something, there you speak. You need to speak what you cannot show. But if you can show an image, you could the world. That is what I was feeling in order to do my pictures, no? In my personal position. I am not searching the big money. I am saying to me, today the picture say is a good picture, fantastic picture, because she made $400,000. And then the price. That picture, the best, that money, make that money. And then I am searching a producer to make a picture in order to lose money. We need to lose money. The other day they show with a lot of public Holy Mountain in Los Angeles in the cemetery in the grave of Rudolph Valentino, Holy Mountain. There is a good place. There is a good moment of art movies out of the theaters. Well, this is what I think myself. Without big stars, without. Because they are changing everything. Big stars are the illness of the movies. The big illness. Theaters, big illness of the movies. Dictatorial producer, big illness. Money, big illness. Après avoir expliqué à Alexandro qu'on ne pouvait pas trouver les 5 millions indispensables pour faire cette... On a un peu réfléchi, on a essayé de trouver d'autres solutions. Et on s'apercevait qu'il n'y en avait pas. Et que comme j'avais déjà pris beaucoup de risques, je ne pouvais plus m'engager sur encore cet argent qu'on aurait dû redépenser pour que le film ne soit pas distribué en Amérique. Parce que quand ils ont dit non, les studios, même si le film se fait, même si c'est un succès en Europe... Il y a un blackout. Ils ne veulent pas ouvrir leurs frontières. Je l'ai fait sur d'autres expériences. Donc, quand ils sont avec vous, ils sont vos partenaires, ils sont loyaux. Mais quand ils vous ont dit non, c'est non. Et les portes ne se rouvrent plus. Donc, j'ai expliqué ça à Alexandro. Et j'ai dit, j'ai pas d'autre solution. Et il m'a dit, bon, il faut que le film existe un jour, quand même, même si ce ne sera pas le même film. Donc j'ai rappelé un ou deux studios qui m'avaient d'ailleurs dit qu'ils étaient prêts à le faire tout seul, ou le faire avec d'autres metteurs en scène. Celui qui était le plus européen de tous, c'était Dino. Il était le plus prompt. Il a compris qu'il y avait une opportunité. Donc il m'a fait une proposition. Et nos avocats ont discuté. Je me suis retiré. Ça a été un deal de lawyer. Moi j'ai dit, je rentre en France et je vais essayer d'oublier. Et les lawyers ont fait leur boulot, ont fait un deal que j'ai signé, mais moi à Paris et lui à Los Angeles.
Dino De Laurentiis, il a acheté les droits que j'avais, qui étaient les droits d'adaptation. Il a recommencé une autre aventure. C'est sa fille qui l'a produit, Raffaella. Alors ça, c'est, oui, ça c'était, oui, vous avez, j'ai oublié cette, cette séquence-là. Vous avez raison de me la rappeler. Je suis retourné à Los Angeles. Maintenant, c'est ma mémoire. Elle est, c'est quand même 35 ans aujourd'hui. Hein. Ma mémoire. Quand c'est ça. J'étais à la fin. L'avocat avait tout préparé et on signait le chose, le document final, le document américain comme toujours énorme. Et c'est vrai que il y avait une sa fille qui était là, juste derrière, un peu comme une espèce de garde du corps. Il était sur son tout petit, hein, Dino De Laurentiis, derrière son grand bureau en face de Beverly Wilshire. Et tout d'un coup, il signe tout ça, il se retourne d'une façon, mais sans bouger, sans se lever. Il se retourne comme ça et dit, Raffaella, ça c'est pour toi. Je ne savais pas si c'était un cadeau ou empoisonné en français. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, un peu du cirque. C'est, pour moi, c'était un peu terrible cette fin, mais ça m'a marqué parce que il fallait mieux en rire qu'en pleurer. I love it. Mais, vous savez, une des histoires les plus que j'ai faites pour ce film, j'ai failli mourir empoisonné par les gaz d'échappement du bateau de Dali. On est parti à Port Llegat, qui est tout près de Cadaqués, en Espagne, où Dali avait sa résidence d'été. Et à chaque fois qu'on allait le voir, il y avait une épreuve initiatique, différente, originale, et inventée quasiment quelques instants avant, pas du tout préméditée. Ce jour-là, on était dans son salon, il dit, non, voilà, faut faire le bateau. Bon, d'accord. On se dit, il va nous faire un tour de bateau. Et on arrive, il avait une espèce de bateau de pêche, pour le petit bateau de pêche espagnol en bois. Et puis moi, je me dis, on va monter sur le bateau. Pas du tout, il y avait sur le bateau, lui, une espèce de grand transatlantique, transat, c'est ses fauteuils en toile, dans lequel Gala, sa femme, s'installe. Puis nous, il nous met dans la barque derrière, et avec la remorque, avec une corde, il a fait tout le tour de la baie, nous dans la barque, avec mon collaborateur, on a fait tout le tour de la baie, dans la barque, asphyxié par les gaz d'échappement du moteur, qui faisait pout, 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 vieux moteur. Et donc nous, on était derrière, comme des petits serviteurs, et eux, devant, sur leur bateau de pêche. On a fait le tour de la baie de Port Llegat, comme ça. Il connaît des histoires comme ça. C'était passionnant. Et plus on en parle, vous savez, c'est ce genre d'aventure, on est obligé un peu de l'oublier. Parce que si on veut vivre avec des souvenirs, la nostalgie n'est pas ne nous emmène pas vers l'avenir. Donc, quand j'en parle, mes yeux se rouvrent, mes oreilles s'agrandissent, ma mémoire recircule, les souvenirs reviennent. Je pourrais tenir des heures, je pense que c'est enfoui, mais c'est pas caché. Ça a été quand même 2 ans et demi, 3 ans de bonheur incroyable, de choses, des cadeaux extraordinaires de la vie. Je suis pas le même. Je crois que personne qui a travaillé dans ce film est le même après. Ça nous a changé. Ça nous a donné une ouverture sur différentes. Et je pense que les films auxquels j'ai participé après ont tous quelque part un peu de Dune et un peu de cette folie indispensable pour faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre n'existe pas sans folie. Peut-être que Dune avait trop de folie, mais un film qui n'a pas un grain de folie, il ne va pas conquérir le monde entier. Et ça, je crois que, alors maintenant, on peut dire qu'il y en avait trop. Je ne pense pas. Je pense que c'est un chef-d'œuvre inachevé. On le gardera, mais ça sera un chef-d'œuvre inachevé pour malheureusement un happy few, comme on dit en anglo-saxon. Have you ever seen the version of Dune that was made? Non. Never. Pas envie. Jamais. Ah non, blocage. Comme la, vous savez, ça c'est un peu comme la porte des studios quand elle s'est refermée, quand je vous dis qu'elle ne s'ouvrirait pas. Moi, j'ai fermé la porte, je ne verrai rien. Rien de rien, pas une image, j'ai pas la cassette, rien. Les gens qui voulaient le voir ne m'en parlaient pas. Pas un mot, not a word. Je voulais. Non, ça c'est pour moi, c'est. Je sais pas s'il est bon, et j'ai pas de jugement.
Mais je n'avais pas la force d'aller voir le film qui n'aurait pas été le mien. J'ai quand même écouté, parce que c'est pas vrai, on ferme pas tout. Les critiques auraient été exceptionnelles. Peut-être que j'aurais fait une entorse. Genre, peut-être, je sais pas. Mais même aujourd'hui, plus de 30 ans après, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. C'est un autre film. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus et que ça me va très bien. Non, pour moi, c'est pas un classique.